Ici, on est à 80 km de Bruxelles et une cinquantaine d'Anvers. Une centaine de chevaux là, tout ça sur une cinquantaine d'hectares et 60 paddocks. Si tout se passe bien, cet été, on devrait déménager. Maintenant, il faut voir parce qu'on va aussi avoir le meeting d'Anguin, les courses en Europe et Cagnes. Donc, il faut gérer déménagement et continuer à travailler aussi. Moi, avec mon frère, on a réfléchi à ça parce qu'on n'est jamais à la maison, on est toujours sur les routes. On a augmenté l'effectif et voilà, il faut prendre une décision et je pense qu'on prend la bonne décision. Il faut les résultats à Paris et il faut même augmenter les résultats parce que... Mais nous, surtout, on voulait aller à Paris. Bon, maintenant, c'est pas évident. C'est plus simple d'aller en Normandie, mais je pense qu'on a trouvé notre bonheur à Paris. Il y a 5 ans que les bilans sont toujours à la hausse, donc on va essayer de continuer dans ce sens-là. Maintenant, c'est jamais évident avec les chevaux. Il faut toujours rester les pieds par terre. Hein. Il faut avoir la qualité aussi. Hein. Si on n'a pas la qualité, c'est dur à... Mais bon, on essaye d'accueillir des bons chevaux et pour le moment, ça réussit bien. On regarde un petit peu, on a un petit peu tous les sites d'Europe et on contrôle tout ce qui se passe en Europe. Après, quand on repère un cheval, on se renseigne si c'est possible ou pas. Et on a quelqu'un en Suède aussi qui nous renseigne sur les chevaux là-bas. Il n'y a pas une semaine qui passe qu'on n'a pas un cheval à l'œil. Mais bon, les élus sont rares. S'il pouvait prendre un petit peu de gain, il sera pas mal placé dans l'étape du GNT à Bordeaux, je pense. Donc, le cheval il est bien, il a fait un bon meeting, c'est un cheval honnête. 2100, je préfère plus long, mais bon, on fera avec. La dernière fois, il est cinquième, mais c'est malheureux, il était en dehors. Après, il était coincé à la corde et il a bien fini. Non, il aurait pu faire un meilleur résultat ce jour-là. Et sinon, les courses à Paris, non, il a fait toutes ses courses. C'est un cheval qu'il faut cacher, donc quand on cache, on peut se faire enfermer. Il vient de bien gagner à Caen, course réclamée. Il est bien engagé, donc il court. Maintenant, il est inférieur à Richloff. Il ne veut pas trop démarrer parce qu'il ne déboule pas trop vite. Après, il faut que ça se passe bien. Il est capable de prendre une petite place, mais c'est un cheval qui aura des courses à réclamer. Il sera mieux là. On a 5 partants dans la même course, mais on prépare et c'est des bonnes courses pour préparer les chevaux. Marielle court sa course de rentrée là et Amour d'Ocagne. Et j'en ai mis quelques autres. Non, c'est bien. Elle a une bonne course à Turin après, Marielle, donc ça tombe très bien cette course. Et Amour, pareil, il a une course à Anguin ou à Bordeaux, on va voir. Donc ça tombe très bien. Je montre qu'il va peut-être courir cet été à Anguin. Il faut voir les courses qu'elle va avoir, où est-ce qu'elle va se faire inviter, la forme qu'elle va avoir, hein, ou mieux la forme, ou plus d'invitations à Laura. Donc, c'est une jument que j'estime quand même. Elle est capable de gagner son groupe cette année. Elle est sur la montante, elle n'est pas encore top là, mais elle est sur la montante. Je pense que je serai très bien pour Turin. Mais c'est plus une jument de piste plate, ça c'est sûr. Hein. À Paris, ce sera peut-être plus compliqué, mais sur une piste plate, oui, bien sûr. Quand on annonce qu'on n'a jamais entraîné un cheval comme ça, on n'a pas été capable de gagner une cet hiver, c'est normal. Mais on sait ce qui s'est passé. Le cheval, je l'ai arrêté 3 mois, il a fait une belle rentrée. Et après, il s'est blessé au paddock. On a dû, il a eu des points de suture, on a dû attendre Mouveau 2 mois. Mouveau une entrée
Et après, j'ai eu le virus dans l'écurie, donc tout s'est enchaîné dans le mauvais sens. Bon, ouais, c'est comme ça, hein. Ça fait partie du métier, malheureusement. Il a des courses partout, il a des belles courses en Europe. Il peut courir les meilleurs, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et en France, on va regarder aussi, parce qu'avec le gain, il va avoir des belles courses en France aussi. En espérant aller un petit peu plus loin qu'Athos, mais non, il peut avoir le même parcours qu'Athos, sûr. Il est sûr du même niveau, voire au-dessus. Oui. Ben depuis, il y a eu des soucis, un petit souci qui est devenu un gros souci, quoi. On avait attendu, il y avait une petite tendinite et on a attendu. Après, il a fait un autre problème à côté, donc tout ça s'est enchaîné que maintenant il y a un an et demi qu'il n'est plus à niveau et ça ne pardonne pas, hein, à ce niveau-là. Quand on est hors course un an et demi, c'est très dur de ramener tout ça à niveau. C'est un cheval assez imposant, donc ce sera compliqué. On va tout faire parce que c'est un cheval de cœur en plus, il est adorable. On va voir, on va tout faire pour le ramener, mais ce sera pas évident. Voilà, maintenant Martens, travail, voilà. Rigueur et travail, hein. Et la chance d'être deux frères qui sont pas maladroits, hein, comme entraîneur et un comme jockey. Depuis tout petit, moi j'aime bien les belles épreuves, mais il faut les chevaux pour gagner des belles épreuves. Mais globalement, l'écurie, il faut regarder globalement, parce que les bons chevaux c'est bien, mais c'est l'entreprise qui doit marcher. L'entreprise, elle marche avec des chevaux normaux aussi. Donc, objectif, on essaie toujours de faire mieux que l'année avant. Maintenant, voilà, si on tourne une écurie qui doit tourner autour de 3 millions d'euros, c'est le but à atteindre. Avec mon frère, on est tous les deux fiers de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, mais on n'est pas au bout du chemin. Hein. On a encore à monter les échelons. Oui, c'est notre vie depuis tout petit. Je ne sais pas ce que je ferais si je ne faisais pas ce métier-là, je ne sais pas. On n'a que des résultats à Cagnes, c'est très bien pour nous, c'était très bien, mais t'es pas encore reconnu. Hein. Tu réussis bien dans ton coin, mais à Paris, on ne nous voyait pas, ou très rarement. Donc le fait d'avoir gagné plus de courses en Europe et à Paris, c'est sûr que... Il y a une reconnaissance, je ne sais pas, mais peut-être plus par les propriétaires, je ne sais pas. Est-ce que vous avez dit, tiens, maintenant j'ai ma place ici aussi? Oui, bon, même si je n'ai pas ma place, je me la ferai, hein, s'il faut.